t'as quand même le mince, bah oui. Et c'est quoi le jeu dont on va parler après? Ça tombe bien, parce que c'est ce que j'ai dans la notice. Mais quelle transition! Je suis désolé, je pensais qu'il m'avait filé la notice de Soul Bled. Je suis navré. Ouais, avec Eddie. Avec Eddie, le rappeur. Et on relance cette intro, c'est phénoménal. Ouais, on est obligé Tekken de se la taper, hein. 3, on met le 3 parce que je sais pas pourquoi celui-là m'a marqué plus que les autres. Il y avait un jeu aventure. Moi, il m'a vachement marqué, c'est un des plus réussis. C'est juste c'est peut-être joli. Le plus réussi. Ouais, le 2 était bien. On aussi. Y va dans le Namco, là, quand même. Ouais. Moi, on me l'a volé, le jeu. Namco, on se dit ici, hein. Namco, c'était la classe, mec. Et ça veut lui dire quoi, Namco? Quelque chose, non? C'est bon. C'est Taito, je confonds, je dis n'importe quoi. Si je me gourre pas, c'est eux qui ont fait Ridge Racer. Ouais. Ils ont fait Soul Bled. À mon avis, c'est quand même des. C'est les gars qui ont trusté la PSX, quoi. C'est les gars, ils étaient là, ils ont fait. C'était l'époque des intros en images de synthèse. Bah oui, c'est vraiment en images de synthèse pour le coup. Hein. Oh là là, dis donc. C'était la mode, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on critique du Van Twitch parce qu'il y a des cinématiques. Ça m'énerve. C'est trop, quoi. C'est des hélicoptères, des gros mecs avec des manteaux à fourrure, des coupes de cheveux ridicules, du feu. C'est à l'époque où il y avait Mortal Kombat le film. Je suis désolé, donc. La musique un peu. Le personnage ridicule du jeu. Ouais, bah oui, c'est clair. Tu m'étonnes. Il tape le vieux. Ah non, je croyais. Oh, tape. Écoutez la musique, c'est bon. Voilà, des muscles. Des muscles et du bronzage. Voilà, des muscles. Bon. Une fille, des seins. Bon, voilà, bon. Oh, le coup de pied. Bon, mais mine de rien, il y a quand même toujours les mêmes personnages. Mine de crayon. C'est fatigant. C'est nul à chier la musique, en fait. Ah oui. Ah, ça, c'est la classe. À la Predator quand même, hein, Yoshimitsu qui. Ouais. Yoshimitsu qui est transparent. C'est vraiment un personnage de malade. Hein. Comme quoi, Crysis a rien inventé, hein, ni Halo. Il est transparent. Camouflage activé. Hein. C'est dans celui-là qu'il y a Baekdusan et Owaran, ouais. Ah, il s'est brûlé. Wow. Regarde pas la lune, il y a un démon en loup-garou. Non, ouais, c'est stylé. Regarde là, c'est l'écriture. Tu as vu comme c'est apparu? On aurait dit Seven, le film. Ouais, exactement. Ah, t'y as pensé, hein. Oui. T'as le même œil que moi. Hein. Ouais, 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 ouais. Coquinou, j'ai envie de faire une pellicule. Une blague de Schnorr, Tekken Brawl. Ouais. Donc, wow. J'avais pas aimé du tout le 1 parce que j'avais trouvé le fait de pouvoir jouer avec les ours et tout ça, j'ai trouvé ça à chier. Décalé. Et vraiment, j'avais pas accroché. Je sais pas. Les amis, j'ai juste. Oui. Novembre 98, donc nous étions déjà champions du monde. Ah oui. On devait fêter ça dignement. Et moi, je me souviens qu'à cette époque, avec une partie de Tekken, PlayStation Magazine avait déjà donné la démo de Tekken 3. C'est comme ça que je l'ai connu et qu'on pouvait jouer avec Eddie Cordo. Oui, tout à fait. Terrible. Et là, juste pour faire remarquer, j'ai fait un petit tour parmi les options et on regarde, c'est carrément les mêmes options, à part Tekken Force Mode, que dans le jeu dont on est. Soul Bled. Alors, j'ai la notice, 5 coups par personnage. Tiens, c'est vraiment ridicule. Marty. Bah ouais. Non, mais 5 coups. Et ben, c'est suffisant, hein, des fois, tu sais. Moi, je veux bien essayer. Ouais, ah, tiens. Donc, un petit versus entre eux. Juste non, parce qu'il y a Yoshimitsu. Le versus ne va pas être possible. Ah, d'accord. Et bah, que Goki qui joue. La prochaine fois, je viendrai avec deux manettes. Mais est-ce que les boutons sont à peu près les mêmes que dans Soul Bled? Attention, t'as plus que 5 secondes pour choisir tes pêches, que j'ai déjà une épreuve. T'as pu faire approcher le bouton, ça fonctionne. Il a pris Yoshimitsu. Alors, juste, quand même. Il a vraiment la classe. Il a une gueule agressive. On dirait un personnage du manga Gun. On dirait un crabe. On dirait manga Gun, un peu le personnage quand même. Harakiri, vas-y. Putain, ah oui, non mais il est beau, les mecs, arrêtez. Ah, il est plus moche que Soul Bled, je trouve. Ah, non, pas du tout. C'est parce que les décors ne sont pas en 3D, ils sont en 2D. Hein. C'est de la texture qui a été mise, qui a été collée comme ça. Non, mais il est beaucoup plus beau que. Oh, ouais. Les persos, gars, ouais. Et regardez au sol, il y a un effet d'infini au niveau du ring. Si vous regardez la jonction entre les deux textures, elle est vraiment très 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 bizarre. Par contre, tiens, gros problème. Ouais, le ring glisse un peu bizarre. Ouais, mais. Cette voix à l'américaine. Merci Gooky. Hein. Ouais, non, mais parce qu'en fait les boutons sont pas les mêmes que sur Soul Bled en fait. Bah ouais, c'est pas le même jeu. Bah ça aurait été plus simple pour le joueur standard de mettre les mêmes coups vu que c'est le même. Ouais, mais c'est le problème des FPS aujourd'hui. Tu l'as mis une bonne branlée quand même. Bah non, mais globalement, les FPS, les boutons comme sur coupe. Hein, et alors ça, c'est cool quand même. Pour moi, c'est l'introduction aussi des replays à la fin des matchs. Ah oui, ça c'est sympa, ouais. Carrément. Par contre, j'ai pas. C'est vrai que c'est la classe. J'ai pas essayé de changer la caméra. Je sais pas si c'est possible dans Tekken 3. Non, je sais pas. Mais le personnage là dont tu viens de jouer,
c'était Warang et c'était c'était des systèmes de combat qui étaient très novateurs, hein, franchement. Ah, y a toujours, est-ce que ça. Est-ce qu'on peut se faire juste un moment ambiance avec cette musique que j'aime beaucoup? Lui il s'appelle Lé, le personnage. Avec Quiche à la basse. Écoute, il est pas très beau. Chut, écoutez. C'est Quiche à la basse. Oh, cette basse. Ah oui, il y a ça, c'est cool là, Dieu, c'est ceux qui sont bien. Trois fois le même coup de pied. Coup de pied retourné, comme d'habitude. Ah, voilà. Montre-nous que c'est un personnage un petit peu sympa à jouer. Oui, mais j'essaye de faire des trucs. Fais arrière. Oh, chaos. C'est ce qu'on appelle la prise du sexe. Et puis, tu nous fais un commentaire de match carré, sur le prochain versus. J'essaye les coups de Soul Blade. Fais arrière, carré, triangle. Il me semble que tu sais le rendre. Attention contre Nina, carré, qui est quand même une nana sympathique. Blonde, maquillée. J'ai connu avec des Nina, gros seins. C'était une finlandaise. C'est parti, attention, Sbi. Alors, elle est quand même en talon, cette demoiselle. Donc, c'est courageux de sa part. Hop, gros coup de pied dans la tête. Elle chasse du 40 flaque de sang, flaque de sang, coup de pied. Hop, enchaînement double coup de pied. Coup de pied retourné de Wookie. Coup de pied retourné, comme d'habitude. La même prise. Roulade, coup de pied retourné, tant cette double coup de pied, coup de poing. Hop, raté, petit, les petits coups de poing haut, petit coup de poing haut, c'est raté. Hop, voilà, enchaînement de Nina. Qui vient de prendre une bonne partie de barre de vie, la toupie magique. Ouais, c'est super, c'est passé. Et d'ailleurs, tu tombes juste après. Ouais, tu tombes après, ouais. Et je suis en train de me demander comment ils vont faire Tekken versus Street Fighter avec des coups pareils. Hop, le coup de sabre qui fait mal, petite. Les coups des persos Tekken vont être réadaptés pour soin de fin de ouais. Nina qui ne fait absolument rien. Rock Lia est très très légère quand même sur certains coups. C'est parce qu'elle n'a pas le temps en fait. Petit enchaînement. Le coup de sabre plus récent, la toupie magique et le tombé derrière. Le petit salto pour fêter la victoire. Bon. Super. Ah. J'aimerais raconter l'histoire de Yoshimitsu hein, quand même. Tant qu'on, attends, parce que là c'est quand même personnage. Paul qui est quand même le voyou. Ah, la musique est très bien là. Qu'il avait la même coiffure il y a 10 ans. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je devrais la refaire. Hein. Oh, c'est vachement Mortal Kombat, les gars. C'est sérieux, c'est vintage. Et regardez le tag derrière. Grave. T'as vu le tag? Regarde, Soul Edge. Ah ouais. Oh, les rebelles. C'est génial, derrière, j'ai jamais vu. La dédicace. Et à côté, c'était écrit caca. Ah non, exit. Non, c'était marqué Duvet vous encultos. C'est très bonne man. C'est très privé. Ah, c'est ça. Oh, joli. C'est très privé. Non, mais c'est vrai que là, en termes chaque de. Chaque fois que tu mets un coup, il s'illumine de tous ses feux, le super Yoshimitsu. Allez, continue de jouer, je raconte l'histoire de Yoshimitsu qui est dans la description du bouquin, du jeu, ça, du CD, on va dire. Yoshimitsu est le chef du clan Manji. Tu connais, ouais, hein. De la capoeira, ouais, c'est dit, super connu, hein, Manji. Un célèbre groupe de voleurs à la Robin des Bois. C'est marqué comme ça. Je suis sûr que c'est marqué comme ça. À la Robin des Bois, attention, hein, c'est des voleurs qui. Bon. Il s'est inscrit à ce tournoi après avoir appris que son ami, le docteur Voskonovic, doit se nourrir de sang de l'ogre pour vivre. N'importe quoi. Yoshimitsu se bat à présent pour sauver la vie de l'homme qui lui. Non, je vais aller inventer un truc. L'homme auquel il est redevable de sa propre vie. Voilà, c'est pourri. Non, mais c'est méga. Attendez, pourri. Mais je pense que les gars qui ont fait la traduction... Ça n'a rien à voir avec l'épée. Non, mais les copains, il y a très longtemps, on a fait un podcast tous ensemble où vous avez gueulé contre Ubisoft qui allait faire disparaître les livrets. Et quand tu vois ça, moi, je comprends pourquoi j'ai ouais, lu ouais, mais ouais. Non, c'est peut-être le... Non, moi, je suis content de caresser Yoshimitsu sur le bouquin. Dans Tekken 3, ce qui est important, là, y a un panda, c'est que c'est le boss final, c'est un ogre. Attention, Yoshimitsu contre Panda. Panda qui lui a mis un haut et high kick. Non, qu'il va t'en mettre plein la gueule. C'était pas du kick, on sait pas. C'était vraiment de l'arnaque parce que Panda, il a les coups de Bojack. Ouais, exact. Non, pas Bojack, ça c'est dans. Jack. Non, mais c'est honteux quand même. Mais pourquoi un panda quoi? Est-ce qu'il a des clochettes sur le poignet, mon frère? Et Panda, il va mettre une rousse en plus. Oui, c'est clair, normal. Et juste avant, il a joué. Et ouais, Panda a gagné un KO direct sur un coup de pied retourné à la relevée. Et regarde, juste avant, il jouait Eddie, qui était le personnage qui faisait de la capoeira. Et t'avais toujours des potes un peu cool qui disaient, moi je prends Eddie. Je crois que c'est moi j'aimais bien. Non, mais c'est l'apparition du Easy Play. C'est-à-dire, t'appuies sur n'importe quoi et il enchaîne. Du combo gratuit. Mais ça, c'est propre à la licence Tekken, je pense. Ouais, c'est clair. Bah non, ça existait pas au début. Tu regardes des très bons joueurs de Tekken. Bah non, au début, ça existait pas. Il y a qu'à l'apparition de Maxi pour Soul Blade, Soul Calibur, et Eddie. Avant ça existait pas. Voilà. Là, il déchire le panda. Attention, un petit perfect qui arrive de là. Oh bah non, il s'est pris. Le hein. coup de clochette. Manchette remontée, manchette descendante. Le coup de la fée clochette. Oh petit enchaînement, ouais, coup de pied retourné, coup de pied retourné. On voit que c'est un panda âgé, je veux dire. Celui-là, il est pas de ma tribu. Mais non. Aïe. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, on s'en fout complètement. Je baisse un petit peu la musique. Ouais, je l'ai marre de gagner. On continue. Mais Jean, il y a un truc qui est vachement cool pour les possesseurs de Tekken 5 sur PS3.
Non, sur PS2, pardon. Vous avez dans les options, il y a des, dans les bonus, vous avez les Tekken 1, 2 et 3 en version arcade qui sont dans la galette. Et c'est super cool. Donc, quelle galette ? La galette de Tekken 5 sur c'est PS2. Terrible. Ouais, et il y avait aussi quelque chose qui était intéressant dans le jeu Namco, c'est que d'opus après opus, ils se permettaient de mettre des skins différents sur les personnages. Je veux dire, tu regardes là, Jin, en fait, c'est le gameplay de Kazuya à la base. Oui, bah c'est son fils. C'est son fils. Mais c'est-à-dire que la technique est reconnaissable, mais le personnage en lui-même n'est plus le même du tout. Et ça j'appréciais aussi. T'apprécies pas que Jack soit un panda. Non, je croyais que c'est de l'arnaque dans le même jeu. Les gars, quand je relis la notice de Tekken 3, derrière, il y a une énorme pub pour la DualShock, en fait. Et je viens de revivre le... Putain, c'est vrai, comme elle était extraordinaire quand elle est apparue, cette manette, le fait qu'elle vibrait et que t'avais de l'analogie sur les deux sticks. C'était fou. C'est vrai que j'avais des manettes qui avaient pas ça. Les joueurs de N64 King. On dirait qu'il a des Reebok. Quoi ? Il a un masque de panthère. Bah, le stick analogique, c'est Nintendo qui l'invente. Ouais, mais ils l'ont mal fait comparé à Sony. Non, mais sérieux. Ah ouais, forcément, souvent, celui qui innove, il peut se copier en mieux. Ouais, mais avec la vibration dedans, quand Nintendo a ramené son Rumble Pack, ça va. Bah, il était déjà de base. C'était les premiers ? Non. Bah si, le Rumble Pack est sorti avant la DualShock. C'est vrai ? Bah, ouais. Ouais, mais il faisait mal au doigt le. Oh là là, Sony, comment on va faire pour t'aimer au futur, dis donc ? Non, mais c'est dingue. Bon, voilà, ouais. On s'arrête sur ce Tekken. Il y a merde. Plein d'autres modes de jeu, hein, du volleyball ou je sais pas quoi. Si, c'est vrai. Ah ouais, ça j'avais passé du temps, c'était extraordinaire. Il y a un jeu aventure. Hein. Mais je crois que moi je l'ai eu dans une période estivale et c'est vrai que ça m'a gâché mon été. Je suis pas sorti, on y jouait avec les potes tout le temps. Et entre deux, on pliait mixte. Mais ça c'est différent. Est-ce que tu peux nous montrer le mode. Peut-être le mode comment. Plage. Fight them up. Beat them all, oh là là. Fight them up, c'est sympa. Ou Beat them all, ouais, c'est quoi Tekken Schmurzen. Tekken Force Mode. C'est vrai, tu l'avais dès le début. Est-ce que vous vous souvenez peut-être du. Allez, change de perso. Hein, ouais. Prends le panda, on va rigoler. Sur PS2, il y avait Tekken Tag. Ah, il faut encore débloquer. Il est en bas. Non, c'est l'ours. Ah, c'est l'ours. Oh, c'est Kuma. Ah, bah, oui, alors bien sûr, sur la carte mémoire, il n'y avait rien, les amis. Donc, vous n'avez pas tous les personnages débloqués. Ah, panda t'es nul. Il s'appelle le panda. Et ce qui était intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, moi, tout gamin, j'y jouais. Ah, bah voilà, c'est dingue. Mais par contre, il ressemble pas du tout à ça. C'est que l'intérêt de ce jeu, c'était de voir la cinématique de fin, quoi. C'est pas du tout maniable. C'est ça qui fait plaisir. Et justement, avec Eddie Cordo, ce qui était cool, et c'est pour ça que je le prenais, c'est qu'en fonction de. Il y avait une fin où il était en Tiger. Il avait une coupe à l'afro, et t'avais une espèce de remix de Saturday Night Fever où tu voyais ton héros dans C'est terrible quand même. Hein. En fait, voilà, on a un décompte, on décrit aux gens qui nous écoutent uniquement et qui n'ont pas la vidéo. C'est immaniable. Il y a un décompte, t'es dans un beat'em all classique horizontal. En plus moche. Hein. Avec un angle de caméra absolument horrible. Non, mais voilà, c'est parce qu'il prend 3 quarts. Et en fait, dès que tu tues des monstres, tu gagnes du temps. Donc plus de secondes. Donc on décompte remonte. Pourquoi t'irais pas chez Rosetta derrière ? Ouais, derrière, allez, avec derrière, une... Mange le poulet. Ah, du poulet comme dans Street of Rage. Magnifique. Je peux pas. Tu peux pas monter ? Non. T'as vu la taille du truc ? C'est un poulet, ça, c'est au moins une dinde. La manette a du mal à te laisser aller. Non, tu peux pas monter. Tu peux monter qu'en tapant en haut. T'es en train de dire qu'il faut que je rachète des manettes sur eBay. Il faut que tu rachètes absolument des manettes là. Oh la vache. Alors. En fait, tu peux pas parce que les ennemis s'appellent Chrome, mais c'est pas en référence à la bière. Hein, il y a Falcon. Il se reconnaîtra. Ah bah ils ont des jolis noms d'oiseaux, dis donc. Ah, puis, ils sont fait chier sur le design, le cara design des méchants. C'est toujours les mêmes, en fait, depuis tout à l'heure, mais bon. Mais ils ont pas le même nom. Ils ressemblent à des sacs poubelles emballés. Ouais. Ils ressemblent à la crampe. Oh, c'est bon, les gars, c'est le début. T'as déjà un énorme jeu de baston. Arrêtez, t'as déjà un énorme jeu de baston. Ah non, ils ressemblent à la machine dans son jaune. Oh, les mecs, vous êtes méchants quand même. Oh, loading. Ah, il s'est couché. Ça, le loading, c'est la caractéristique. Ah, t'as des boss. Ah oui, c'est vrai, il y a des boss. Ah, il y a des boss, putain. Bah, c'est charmé, moi, je suis désolé. C'est plutôt sympa. C'est carrément sympa, c'est un méga bonus. D'avoir diverti le joueur. Ouais, mais non, je suis d'accord avec toi, le jeu était tellement pauvre à la base. Pas les Tekken, étaient pas pauvres. Ils étaient pas à l'époque. Je l'ai acheté, j'ai pleuré quand même. Hein. Bah, mais tu joues à quoi d'autre de mieux ? Bah, pas un jeu de baston, j'ai jamais de baston. Bah voilà, déboursé à l'époque 350 francs pour un jeu de bagarre. Bah oui, un jeu de bagarre. Un jeu de bagarre. Petit troubadour. Il appelle ça un jeu de pistolet. Oui, d'accord. Bon, on s'arrête là-dessus. On va passer à une autre console, à un autre support. Et juste une petite question.